Bonjour, bienvenue sur le plateau d'ABC Doc. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la maladie d'Huntington. Pour en parler aujourd'hui, m'accompagne Katia Youssef, le docteur référent de la maladie d'Huntington au Centre national de référence maladie d'Huntington, Alice Rivière, qui est la fondatrice du collectif Ding Dang Dong et qui est membre du CIA, c'est-à-dire du comité interassociation dans la maladie d'Huntington, et Amel Khelifi, qui est l'assistante sociale du Centre national de maladie de Huntington à Henri Mondor. Et moi-même, je suis chef de service de neurologie à Henri Mondor et coordonnatrice du Centre national de référence maladie de Huntington à PHP. Alors, pour commencer, la maladie de Huntington, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie rare, grave, qui va toucher des gens de 35-45 ans à peu près, avec des signes qui vont être très variés, qui vont être moteurs, les gens bougent. Avec l'évolution, ils vont avoir un peu une modification de leur posture, ce qu'on appelle la dystonie. Et puis, ils vont avoir aussi, au fur et à mesure, des problèmes d'équilibre. Ils vont tomber. Et puis, un jour, au bout de 15-20 ans, heureusement, et parfois même 30, ils vont avoir du mal à marcher, voire ils ne vont plus marcher. Puis, avec ça, il va y avoir aussi des troubles cognitifs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à planifier leurs activités, à faire attention ou à mémoriser des choses, ils vont être un peu moins patients. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir besoin d'une prise en charge très proactive parce qu'ils ne vont pas être forcément capables de le faire. Et puis à côté de ça, il peut y avoir aussi des troubles psychiatriques ou des troubles de la personnalité qui ne sont absolument pas une fatalité et qui, eux, vont donner des gens qui vont être déprimés, on peut le comprendre, face à une maladie grave, mais aussi déprimés tout simplement parce que c'est un symptôme de la maladie. Et puis, ils peuvent aussi avoir des idées bizarres, des psychoses, mais c'est beaucoup plus rare. Ou simplement être un peu rigide dans leur caractère ou un peu impatient. Et donc, du coup, tous ces symptômes peuvent être diversement associés chez les patients. Il y a des gens qui vont avoir plutôt des troubles cognitifs, plutôt la chorée, c'est-à-dire les mouvements, ou d'autres qui vont avoir plutôt les troubles psychiatriques. Et puis, il va falloir avoir une prise en charge globale et on va accompagner les patients avec des traitements symptomatiques au cours du temps. On va essayer de faire en sorte qu'ils aillent mieux. Et c'est pour ça qu'on est là toutes les quatre, pour essayer de voir comment on peut aller mieux. Et il faut savoir quelque chose qui est quand même fondamental, c'est que c'est une maladie génétique et avec un gène autosomique dominant, c'est-à-dire que quand on porte le gène, on est à 50% de risque de transmettre le gène à ses enfants. Si bien que quand on est dans cette maladie, il y a une chose très très particulière, c'est que les gens connaissent leur père ou leur mère qui a été atteint de la maladie de Huntington, et puis d'autres connaissent, on sait qu'ils ont déjà des enfants, ils ne connaissent pas le statut de leurs enfants ou vont avoir des enfants. Et se pose la question de comment faire des enfants. Et donc, on est dans un cas où la maladie ne touche pas que le patient, mais aussi sa famille. Et il va falloir prendre en compte le patient, la famille, la personne, et puis la globalité de l'environnement. Et c'est vraiment important de se dire qu'il faut avoir cette vision extrêmement synthétique. Et pour cela, je vais passer la parole à Alice Rivière, qui va nous donner son point de vue de patient et de membre d'association. Membre d'association, membre d'une famille, du coup, Huntington. Et oui, il faut dire que, il existe un test hein, génétique, ce qui va pas de soi dans ce genre de maladie, qui peut permettre pour ceux qui le souhaitent, de savoir si on est porteur du gène, enfin de la mutation génétique qui va nous rendre malade ou pas. À partir du moment où on est à risque, entre guillemets, ça veut dire à partir du moment où on a un papa ou une maman qui est malade de Huntington. Et bah, dans notre famille, ça a été notre cas. On a appris que notre maman était malade il y a une dizaine d'années. Et à ce moment-là, alors, ça a été vraiment un moment complètement à part dans notre existence, qui a pris toute la place, un moment, je dirais, un peu un big bang existentiel pour chacun d'entre nous, pour des raisons très différentes. Chacun se réagit en fonction de sa vie, de sa personnalité, de son passé, de tellement de choses. En tout cas, il nous a fallu beaucoup de temps, et ça, quand j'en discute avec d'autres familles, c'est vraiment le cas pour beaucoup, pour tout simplement digérer cette information que la maladie était dans la famille, qu'elle touchait notre ascendant direct, donc en l'occurrence notre maman, qui allait connaître donc une évolution ben, qu'on ne connaissait pas bien à l'avance, mais une évolution tout de même, et puis qui allait toucher nous autres,
mes sœurs, frères et moi, à 50% de probabilité. Donc il fallait pour chacun nous positionner par rapport à ça. Et chacun est libre d'avoir envie de faire ce test ou pas. La plupart ne le font pas parce que, au fond, tant qu'on se sent bien, pourquoi aller chercher une telle information? Ça dépend pour chaque personne et par rapport à ses projets de vie et tout ça. Moi, il se trouve que j'ai souhaité le savoir. J'ai passé ce test présymptomatique qui est tout à fait protocolarisé, hein, avec toute une équipe pluridisciplinaire qui font un travail formidable d'accompagnement. Et puis voilà, j'ai appris que j'étais porteuse. Et à ce moment-là, là aussi, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour digérer et accepter cette histoire dans ma vie. Et pour surtout parvenir à en faire quelque chose qui ne soit pas tout le temps au devant de mon existence, mais qui fasse partie de ce que je suis. Et pouvoir composer ce devenir, parce que certes je vais évoluer avec cette maladie, mais tout en restant qui je suis et qui je désire être. Alice, peut-être je vais vous couper un instant, mais vous n'êtes pas malade, fort heureusement, mais comment ça se passe pour les patients qui sont malades, par exemple pour votre mère? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ? Bien sûr. Alors, pour les personnes qui sont déjà symptomatiques, déjà à savoir que pour elles aussi, il en va aussi d'un moment de diagnostic très important qui passe par aussi un test génétique de plus de confirmation, on appelle ça comme ça. Et là aussi, il faut prendre vraiment beaucoup de précautions parce que ça ne va pas du tout de soi de recevoir une telle information, même si on a déjà des difficultés, qu'elles soient motrices, vous l'avez dit, ou pas motrices, mais cognitives, psychologiques. Ma mère avait notamment beaucoup, beaucoup de problèmes, on va dire, d'ordre psychologique. Elle avait une dépression qui passait pas, alors qu'elle émettait beaucoup du sien, etc. Et pour elle, au fond, le diagnostic de confirmation a représenté une forme de soulagement, parce qu'à ce moment-là, elle a compris le sens de ce qui lui arrivait, qui était tellement bizarre et tellement inconfortable. Et surtout, elle a pu se faire d'emblée accompagner par des professionnels. Je voudrais juste dire aussi que pour certaines personnes, ça prend un peu du temps. Alors on parle de déni, mais dans les associations, on aime bien parler tout simplement de rythme. Je veux dire, parfois pour digérer une telle information, on en passe par un moment, on n'a pas tellement envie d'y penser trop, on essaie de le mettre sur le côté. Mais ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Justement, ça veut dire que c'est une phase et qu'avec l'aide des entourants et des équipes médicales, on peut commencer à accepter cette histoire. Et donc, une des premières choses à faire, même quand on n'est pas tellement malade, même quand on est tout début, c'est de chercher à faire alliance avec le monde médical. Et ça passe par la consultation notamment du neurologue référent. Et donc, en l'occurrence, à Mondor, avec quelqu'un comme Katia Youssouf, pour commencer à faire alliance. Même quand on n'est pas encore vraiment très malade, et puis a fortiori quand on est un peu symptomatique, ça ne veut pas dire se limiter, ça veut dire au contraire trouver des solutions à chacun de nos difficultés. Peut-être j'insisterai sur le fait que ce n'est pas seulement quand on est un peu symptomatique, même quand on est très symptomatique, oui, on peut faire alliance avec le corps médical. Oui, et peut-être je vais laisser Katia commenter sur ce sujet. Je vais rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, parce que lorsque les patients viennent nous voir en consultation ou lorsque des personnes qui sont concernées par le risque génétique ou qui ont appris, effectivement, comme ça a été votre cas, qu'ils étaient porteurs du gène et donc dans un devenir avec la maladie de Huntington, lorsque ces personnes viennent nous voir, c'est pour avoir quelque chose qui, pendant probablement assez longtemps, ne coulait pas de source, c'est-à-dire une prise en charge. Parce que pendant longtemps, lorsqu'on parlait de la maladie de Huntington, ce qui allait avec ce diagnostic, c'était l'absence de thérapeutique et l'absence de traitement, et on va dire, avec un effet boule de neige, l'absence de prise en charge. Et là où nous avons beaucoup œuvré au cours des 10 dernières années, et probablement plus pour vous-même, 20 dernières années pour vous-même, madame, c'est justement sur le fait que l'absence de médicaments au jour d'aujourd'hui qui influence le cours évolutif de la maladie avec certitude n'est pas du tout synonyme d'absence de traitement et de prise en charge et de choses à faire pour changer le devenir des gens avec la maladie de Huntington. Je vais peut-être me permettre d'insister sur un point. On ne guérit pas la maladie de Huntington, donc c'est quand même un point qu'il faut clarifier.
mais on peut atténuer les symptômes et c'est là-dessus qu'on va revenir. On ne guérit pas le diabète non plus, on donne de l'insuline, on ne guérit pas l'insuffisance cardiaque, on donne des médicaments, on ne guérit pas la maladie d'Huntington, c'est vrai. Maintenant, on peut améliorer la prise en charge et ce sont des gens comme vous, Katia. Qu'est-ce que vous faites justement au quotidien pour améliorer la vie de ces patients? Alors, ça dépend aussi à quel moment la personne arrive et avec quel projet et quel souhait la personne arrive à la consultation. Alors, ça peut être uniquement pour recevoir de l'information, ça peut être pour avoir des conseils de prise en charge en termes de symptômes gênants. Les propositions qu'on va lui faire au maximum de nos possibilités, c'est des propositions qui concernent certains symptômes qui peuvent les mettre en difficulté. Alors vous avez parlé des mouvements involontaires qui caractérisent la maladie, puisque la maladie s'appelait la chorée de Huntington pendant très très longtemps, parce que ça fait partie des symptômes un peu cardinaux de cette maladie, et certaines personnes ont besoin de traitement ou d'une réduction de ces mouvements qui sont extrêmement invalidants au quotidien. Donc nous avons de plus en plus, depuis 10 ans, de médicaments différents qui peuvent être actifs sur ces symptômes-là. On prend en charge aussi de façon très efficace par moment les symptômes psychologiques comme la dépression et l'anxiété, en utilisant des médicaments qui sont validés dans d'autres maladies et dont nous avons une expérience ample avec des résultats très intéressant sur la prise en charge. On a la chance aussi d'avoir une psychologue, des groupes de parole, des soutiens familiaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le patient dont on va s'occuper, mais aussi sa famille. Il n'y a pas que les médicaments. Et il n'y a pas que les médicaments, c'est-à-dire qu'on va aussi proposer des rééducations, comme par exemple le Tai Chi Chuan. Alors on a toute je développais essentiellement les aspects médicamenteux, mais comme vous le faisiez remarquer, un symptôme se prend aussi en charge d'un point de vue rééducatif, avec des prises en charge en orthophonie, en kinésithérapie, qui sont des prescriptions qu'on fait tous les jours et de façon évolutive aussi, avec des objectifs qui changent en fonction des symptômes et de l'évolution de la maladie. Et une prise en charge beaucoup plus globale de la famille, des conjoints, des enfants, des questions que se posent les gens à certains moments, avec un appui, un soutien purement psychologique aussi de beaucoup de personnes. Et nous avons très rapidement vu qu'on ne pouvait absolument pas avancer seul dans cette prise en charge. Et nous avons eu recours à Madame Amel Khelifi qui vient nous soutenir sur tout le versant médico-social qui est considérable dans la maladie de Huntington. Oui, donc il est vrai que dès l'annonce de la maladie, l'assistante sociale peut servir au patient et à son entourage dans différents domaines, tels que l'organisation à domicile, les aides, les ressources ou même le maintien à l'emploi. Donc c'est vrai qu'on essaye au mieux de m'interpeller dès le début de l'accompagnement. C'est ce qui permet aussi de mener un suivi avec le patient ou sa famille. Et donc, on mise vraiment sur la prévention pour éviter tout ce qui va être situation urgente dite de crise. C'est vrai que bien souvent, on se rend compte que les familles essayent de gérer au mieux l'annonce de la maladie, le domicile, jusqu'à un moment donné où la corde craque. Et on se rend compte que à ce moment-là, on a besoin d'aide et on a de plus en plus de situations urgentes. C'est vrai que l'assistante sociale essaye vraiment de mener ces situations-là à bien, mais on favorise quand même cette prévention-là. Donc on essaye de mettre en compétence, on essaye de mettre nos compétences et nos connaissances au bien même du patient. Et donc on essaye de mener un suivi individuel. On parlait tout à l'heure de tout ce qui était rééducation, donc avec des séjours de répit, des dossiers administratifs également à constituer, des ouvertures de droits. C'est quand même un sacré boulot. Un peu, pour les usagers. Donc, c'est un sacré boulot. On essaye de dépatouiller un petit peu tout ça et de faire en sorte de rendre leur quotidien un peu plus gai, plus positif.
Je crois qu'il y a un point quand même très important, c'est comme on sait qu'ils ont un trouble cognitif, ils ne vont pas forcément avoir l'idée de téléphoner, de demander, de poser des questions. Donc ils vont plutôt avoir tendance à s'isoler, à se restreindre sur eux-mêmes, nos patients. Et donc au contraire, on va aller les chercher. Et une chose formidable que vous faites, c'est aussi de leur organiser un environnement enrichi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ne soient plus enfermés chez eux, mais qu'on puisse les aider à sortir, à faire des choses. Et ça va contribuer à ralentir la maladie. Bien sûr. Je crois que c'est important. Tout à fait, tout à fait. On m'interpelle dès la consultation, dès lors où on ressent les problématiques sociale, alors présente ou à venir. Donc c'est vrai qu'on essaye au mieux, donc les patients ne connaissent pas forcément l'assistante sociale, ils ne savent pas forcément nos missions, donc ces consultations-là sont nécessaires pour leur expliquer un petit peu notre travail. Et justement, je rebondis aussi sur le fait qu'on met en place des actions collectives, notamment avec des institutions, des associations, pour faire reconnaître aussi le travail de l'assistante sociale qui est un point essentiel dans la maladie. Moi, j'ai envie juste de rebondir sur ce que vous dites, parce que je pense que pour tout un chacun, même indépendamment d'Huntington, en fait, c'est très compliqué de reconnaître quand on a besoin d'aide. Pour un être humain, c'est compliqué d'accepter de dire, en fait, on a besoin d'aide. Et donc, il y a vraiment ce qui marche très bien dans la façon dont les choses sont organisées au centre de référence, c'est que vous êtes proactif, c'est-à-dire que vous n'attendez pas que les problèmes arrivent pour dire, bah, tiens, je vais pouvoir vous aider pour maintenir à l'emploi. Par exemple, ça peut être un désir de quelqu'un qui commence à avoir des difficultés, mais pour qui le travail, c'est fondamental, c'est sa vie, etc. Comment on va aider à adapter la situation? Il y a vraiment plein de solutions, par exemple, à cet endroit-là. De toute façon, l'accompagnement va dépendre vraiment de la situation à un moment T. Donc, par exemple, si la personne continue de travailler, on va essayer de faire en sorte de voir son projet, si elle est toujours en capacité de travailler ou pas. Donc ça se fait également avec les médecins. Et petit à petit, l'emmener en fonction de ses capacités vers une invalidité ou autre. Et tout ça, c'est un long chemin qui se fait toujours avec le patient et la vie médicale. Mais peut-être effectivement que le moment est venu, puisqu'il nous reste très peu de temps, de parler un petit peu de la recherche, parce qu'il y a l'accompagnement qu'on fait au quotidien, bien sûr, et puis il y a l'avenir. Et l'avenir, le monde du Huntington s'est quand même transformé pendant ces 25 dernières années, où on a vu d'abord la découverte du gène en 1993, et puis maintenant, on voit arriver des thérapeutiques qui vont être soit ciblées sur la maladie directement, ou des choses plus générales, par exemple la grève de neurones. On essaie de réparer le cerveau. Alors, avant, on faisait des cellules fœtales, maintenant, on va passer aux cellules souches. La thérapie génique, c'est une révolution qui est en marche dans la maladie Huntington. On va essayer d'éteindre le gène, on va empêcher d'essayer qu'il ne s'exprime plus. Et puis, c'est commencé au Canada, en Angleterre, en Allemagne. J'espère que ça va bientôt commencer en France. Et puis, de l'autre côté, il y a des essais thérapeutiques sur des médicaments qui vont essayer, eux, soit d'améliorer les symptômes, soit de ralentir la maladie. Et ces médicaments vont se baser sur les cibles physiopathologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Est-ce que c'est qu'il y a trop de protéines, c'est-à-dire trop de huntingtine mutée? Est-ce qu'on va devoir augmenter le fait qu'on la détruise? Ou est-ce qu'au contraire, on va augmenter le transport de la huntingtine? Tout ça, c'est des mécanismes très complexes. Et en fait, il y a plein d'essais thérapeutiques actuellement dans le monde. Et je vais laisser peut-être à madame le docteur Youssef le soin d'en parler un petit peu. Oui, alors je ne vais pas les détailler, mais c'est vrai que ces dernières années, on a eu beaucoup de chance parce que beaucoup de personnes, quand je disais que les gens venaient chercher chez nous aussi un peu à la carte en fonction du moment où ils en sont dans leur vie avec cette histoire de Huntington, des choses différentes, il y a beaucoup de personnes qui viennent en disant on veut participer à la recherche. Donc déjà on leur propose systématiquement de nous rejoindre, de rejoindre la cohorte française, européenne et bientôt mondiale de patients atteints de maladie de Huntington et de façon à collecter des informations très très précieuses pour comprendre comment la maladie évolue et faire avancer plus vite la recherche fondamentale. Et pour certains aussi, ils peuvent participer à certains essais médicamenteux qu'on peut avoir. Ça fait partie des choses que nous proposons dans les centres de référence et dans les centres de compétences qui participent à la recherche pour la maladie de Huntington. Et c'est vrai que ça nous permet d'être aussi dans les starting blocks pour des essais thérapeutiques d'envergure pour l'avenir avec la révolution de la thérapie génique et des cellules souches qu'on attend tous. Et alors, au niveau associatif, parce que c'est aussi important d'en parler, ça fait partie aussi de cet effort pour faire de Huntington un monde meilleur.
Il y a beaucoup d'associations en France, il y en a une dizaine. Elles se sont regroupées en comités interassociatifs parce que chacune fait des choses spécifiques, que ce soit au niveau du soutien à la recherche fondamentale en réunissant des dons, que ce soit en termes d'accompagnement plutôt, on va dire, à la fois social, fraternel des familles. Dans tous les cas, ce qui est très important, c'est la lutte contre l'isolement qu'elles permettent, hein, alors que c'est une maladie rare et que vraiment une des choses qui est le plus compliquée, c'est de vivre cette histoire tout seul. Elles fabriquent du lien, vraiment, que ce soit entre les familles elles-mêmes, entre les gens eux-mêmes, et puis entre les personnes et les professionnels et les personnes qui vont pouvoir les aider. Et donc il y a une très belle collaboration qui s'est montée ces derniers temps avec le Centre national de référence, où on travaille main dans la main à un certain nombre de chantiers pour finalement ne pas décider seuls les grands axes autour de Huntington, mais vraiment entamer des réflexions tous ensemble. Et on crée la prochaine journée nationale dans ce sens, par exemple, en décembre donc, prochain. Comme on doit conclure, je conclurai en vous remerciant de nous avoir invités sur ce plateau. Et puis en insistant sur une chose qui est quand même formidable dans la maladie d'Huntington, c'est qu'on n'est pas seulement français, on est européen, on a une plateforme, un réseau européen, on a un réseau français et on a un réseau mondial. Et cette mondialisation, où que ce soit dans le monde, s'il y a une recherche qui a lieu dans le monde, elle arrivera en France, ou s'il y a une recherche en France, elle sera transmise dans le monde. Et ça, c'est un avantage pour l'avenir. Merci de nous avoir reçus sur le plateau d'ABC Doc et puis à bientôt peut-être sur d'autres thématiques sur cette pathologie.